Laissez-moi rentrer chez moi. Non. Elle ne connaît pas le chemin pour venir jusqu'ici. Vos épreuves seront trop dures pour elle. Dans le Pacifique, deux tribus transportent des membres de leur peuple dans leur sommeil. Cela fait partie d'un rituel. C'est leur guérisseur qui agit quand les gens dorment. Il les hypnotise pour les plonger dans un sommeil si profond qu'ils peuvent les transporter endormis sans même les réveiller. Le principe est que l'on doit retrouver son chemin vers les gens qu'on aime. Ça veut dire quoi? Je vais retrouver le chemin vers ma mère? Vers son âme? Vers quoi? Monsieur, ils sont où ces tribus? Je suis désolé, je ne peux vous en dire plus. Bonne chance. Je m'appelle Charmaine Ray. Je suis spécialiste du Vanuatu. Et je voudrais m'adresser à cette jeune fille. Walkabout Long Rain Tree. Ça veut dire quoi? Ça veut dire marche sur l'arbre à pleurs. Quand j'étais petite et que j'étais triste, ma mère en est toujours au pied d'un arbre. Elle l'avait appelé l'arbre à pleurs. Donc on est sur la bonne piste. Voilà. Ils ont retrouvé le corps d'une femme à l'Ifou. Ça pourrait très bien être ma mère. Non, ça va pas. Elle a mal dormi. Je sais même plus comment la réconforter. Ouais, depuis qu'elle a appris que l'histoire de ce corps qui a été retrouvé à l'Ifou, elle s'imagine plein de trucs. Je pense même qu'elle a plus espoir de retrouver sa mère. Sérieux. Je vais lui faire un numéro à l'Aléo. Quoi? Non, c'est pas une bonne idée. Non, pas du tout. Écoute, je vais la faire parler. Elle a besoin d'une oreille attentive. Ça veut dire quoi? Je l'écoute pas, moi? Bien sûr que si. Ah bon? Mais j'ai pas dit ça. C'est juste que je suis sa meilleure amie, c'est plus facile. Ça la réconforte, hein. J'ai toujours été là pour elle. Mais j'ai pas dit le contraire, Alex, arrête. C'est une histoire de fille. Que je serai toujours là pour toi. Tu peux tout me dire, je te soutiens. Ça va, Eva. Ça va. Ça
Ça n'a aucun sens, cette histoire. L'îlot, la jungle, le portrait dans la grotte. Non, c'est sûr, ta mère, elle est pas morte. Bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, on est là pour toi, il faut que tu le saches. Quoi que tu décides, on le fera. Tu fais ce que tu veux, et nous, on te suivra. D'accord? C'est vrai, on est unis comme les cinq doigts de la main, non? C'est pour eux ce que tu viens de dire, là. On n'est que quatre. Avec Samouraï. J'ai un peu faim. Tu veux du jus? Une banane? Une tartine? Des œufs? Ma mère est vivante. J'en suis certaine. Elle est prisonnière d'une tribu au Vanuatu, sur une plage de sable noir. Je le sais. Et si Charles Monra a raison, faut qu'on aille à l'arbre à pleurs. Faut que je la retrouve le plus vite possible. Samouraï. Viens manger. Alors? Bien sûr que tu vas venir. Bien sûr que tu vas venir avec nous, mon chien, hein? C'est ouf. Écoutez. C'est le début du chemin. On peut pas aller plus loin en voiture. Il y a des choses à respecter ici. Dans la forêt, il y a deux peuples qui habitent. Celui des elfes et celui des lutins. Et il y a une chose très importante à ne jamais faire, c'est crier, quoi qu'il arrive. Sinon, ils risquent de se venger, de brouiller les pistes et on risque de se perdre dans la forêt. C'est vrai ce que tu nous racontes? Je te crois à chaque fois, hein, tu le sais, mais là, j'ai un peu de mal. Là. C'est sérieux, Alex. On rigole pas avec ça, pas ici. Non, non, mais je te crois. C'est dingue. J'ai l'impression que tu me parles d'un film. Non, non, mais je te crois. Pourquoi vous me regardez? S'il y a quelqu'un ici qui respecte les cultures, c'est bien moi. Ah ouais. Samouraï, t'as compris, hein? T'aboies pas. Sinon, on va se perdre. Ok? Et moi, cette fois, j'ai pensé à tout. J'ai pris le Fire Scout. Avec ça, impossible que je me perde. Regarde. Je fais du feu. Il y a une boussole. Et c'est pas tout. Dans le noir, il fait lampe de poche. C'est génial, non? Ouais, c'est cool. C'est con si tu le perds, le briquet. Je vais pas le perdre. T'es vraiment un crétin. Mais je suis contente que tu sois là. Je vous adore. Je sais pas ce que je ferais sans vous. Merci. Les samouraïs. Thank you.
sent le cramer, non? On dirait qu'il y a un feu. Vous sentez pas? Si. Ouais, ouais, il y a un feu, ouais. Émile! Alex! Qu'est-ce que tu fous là? Alors, ça va? Ça va, mon pote! Émile? Alice! Qu'est-ce que tu fais là? Ça va? Ouais, ça va. Je suis un petit feu, comme tu vois. Hey, Émile! Léo! Ça va, mon copain? Ça va, pote? Depuis le temps que vous attendez, vous étiez où, vous? Je savais qu'on allait venir. Comment tu savais? Vous commencez pas là avec vos questions là. Mais attends, c'est toi, commence pas. Tu vas nous dire pourquoi t'es là, qu'est-ce que tu fous là? En fait, je dois dire deux choses très importantes à Alice. Dans le Pacifique Sud, rien n'est jamais gagné d'avance. Et si t'as la certitude de retrouver ta mère, voilà, tu te trompes, tu ne la retrouveras jamais. Je suis désolé de te dire ça, mais tu devrais savoir ça. Le chemin de la coutume est compliqué. Et une seule erreur suffit à effacer le bon chemin. Bon, si tu sais que sa mère est vivante, dis-nous où elle est, s'il te plaît. Elle est aux Nouvelles-Hébrides. Hein? Les Nouvelles-Hébrides. C'est quoi ça? C'est le Vanuatu. C'est son ancien nom, en fait. L'île de Pentecôte. Le capitaine Cook. Les gens qui vivent encore nus. Et en plus, la magie nivanoitaise est l'une des plus fortes du monde. Soyez donc prêts à voir des choses que vous n'imaginez même pas. Merci. Bah c'est tout. Hé. Tu vas où? Émile? Adieu. Comment ça, adieu? Attends, on va se revoir, hé, par pas que... Émile! Il va où? Il a disparu. Tu penses qu'on va devoir aller au Vanuatu? Bah ouais, ouais, il avait l'air sûr de lui, quoi. Bien sûr qu'on va y aller. C'est peut-être dangereux. Moi, j'ai pas envie de me faire fracasser la tête. Eh, hey, tu vas loin, non? Je sais pas, je le croyais. Enfin, c'est important, on peut pas lâcher l'affaire maintenant. En plus, il nous a dit adieu. Je comprends pas. C'est pour lui ou c'est pour nous? Il croit que si on y va, on va jamais revenir ou... Il a raison, Émile. J'aurais jamais dû être aussi confiante par rapport à ma mère. J'espère que j'ai pas porté malheur. Attendez. Je suis plus sûre que ce soit par là. Ah ouais, d'accord, on est perdu là. On pourra pas tourner en rond pendant 5 ans là. Léo, en 12 ans, la forêt ça change. C'est quoi ce bruit? Exactement le même bruit que j'ai entendu dans mon rêve cette nuit. Allez, venez. Samouraï, samouraï. Samouraï, Alex, reste avec les filles. Samouraï. Léo. Samouraï. Oh. Léo. Samouraï. Reviens. Oh. Ah, t'es là, toi?
Léo, regarde. Léo, viens voir. C'est un des gilets qu'on portait sur le bateau lors du naufrage, tu vois ou pas? C'est sûr, ça veut dire que ma mère, elle est pas loin. Je crois pas si bien dire. Comment ça? Je vais grimper, je vais aller chercher. Non, laisse, j'y vais. Ça veut dire quoi, ça, Léo? Oh, tu me réponds? Comment ça, je crois pas si bien dire? Tiens. Hein? Tu fais attention, hein. Attention, ça glisse. T'accroches bien aux grosses branches, hein. Ça va aller? Ça va? Mais il sait, il le faisait à La Rochelle. Attends. Vas-y. C'est celui de ma mère. C'est incroyable. C'est un signe de plus. Ça me rapproche d'elle. Je peux prendre la parole? J'ai un truc grave et important à vous dire. Contrairement à vous, moi je pense que ta mère, elle est pas vivante. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez entendu ce que Emile a dit? Il faut pas être certain. Et moi, je suis pas sûr qu'elle soit vivante. D'accord, merci Léo. Tiens, regardez. Tana Island, Republic of Vanuatu. Village Blanc Triwall. Ça veut dire quoi? Je sais pas. C'est une adresse? Je crois, ouais. C'est là qu'y retient ma mère. J'en suis sûre, c'est là. Ok. Ouais, c'est génial. Mais merci pour tout, vraiment. Au revoir. Ok, alors il m'a expliqué. En fait, c'est très simple. C'est du Bishlama, c'est la langue du Vanuatu. Donc, village, blong, triwall. Village, c'est village, un village. Blong, blong, belong, of, de, l'appartenance. Tri, three, trois. Et wall, bah, world, le monde. Village Blanc Triwall, Village of the Three World, Village des Trois Mondes. Et il m'a dit que c'était localisé sur aucune carte, mais on sait que c'est à Tana et on va trouver. C'est rassurant. Génial. Demain, je vais peut-être retrouver ma mère. Bon, après, on verra, on peut acheter des cartes. Puis apparemment, ça... pas tout dit. J'ai vu la tombe de la mère d'Alice. Arrête. Je te promets. Arrête de raconter des conneries un peu là. Je te mens pas, Alex. La tombe, elle était à côté de l'arbre à pleurs. C'était pas le gilet qu'il fallait trouver. C'était la tombe. Alice, elle se fait un film. Désolé, j'ai pas pu lui dire. Mais t'es con quoi? Attends, mais tu peux pas me le dire avant? T'es au courant?
Tu sais ce qu'il a dépensé Watson pour qu'on parte au Vanuatu? Il nous a offert tous les vols là. Nous met à Port Vila, Port Vila Tana, on fait quoi maintenant? C'est pas vrai ça. On fait comment là? C'est vrai ce que tu me dis? Merde, c'est horrible. Elle est morte, ça y est. Attends. Si ça se trouve, il n'y a personne dans la tombe. Ok, il y a quel moyen de le savoir? On va aller creuser. On va voir s'il y a quelque chose. C'est la seule solution. On y va tous les deux, d'accord? On ne dit rien. Alex, je sens que tu vas louper ton avion. Merci, Léo.